Salut tout le monde les amis, c'est Dramonique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte du jeu Star Wars Battlefront sur PC. Donc les amis, nous on se retrouve en ce dimanche pour la découverte de Star Wars Battlefront. Donc ça fait longtemps que je voulais l'avoir ce jeu et du coup comme il y avait une promotion, enfin il était pas très cher sur Instant Gaming, il était à 35€, donc je croyais vraiment que c'était un bon prix par rapport aux autres sites. Je l'ai pris, donc vous pouvez aller voir dans la description le lien de la page d'achat pour jouer, pour acheter le jeu. Vous aurez 5% avec mon code spécial de parrainage, donc si vous avez envie de l'acheter, vraiment n'hésitez pas parce qu'il est vraiment pas cher. Donc les amis, c'est pas tout à fait une vidéo découverte parce que j'ai déjà joué au jeu hier un petit peu et j'ai fait une vidéo découverte, mais sauf que ça a bugué l'enregistrement, du coup je recommence et puis j'avais pas super bien joué non plus, donc voilà. Alors les amis, on commence tout de suite par l'interface du jeu qui est déjà magnifique. On se retrouve avec un petit Stormtrooper à droite qui change à chaque fois que vous ouvrez, ça peut être R2-D2 ou même Dark Vador je crois. Et donc ici on a le multijoueur, mission solo ou à deux joueurs, et je sais pas ce que c'est ça, c'est les contenus gratuits, je sais pas trop ce que c'est, on va pas aller s'aventurer trop. Là on a collection, alors collection on a deux modes, on a le mode diaporama pour faire des photos vraiment stylées, là on peut déverrouiller donc des équipements, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite commencer par ça. Alors vous voyez, donc là je vais déverrouiller... d'éclairer un de points légers efficace pour éliminer la tour portée LP rapidement de son auto. Ce qu'on va faire c'est qu'on va débloquer des trucs, donc je vais débloquer la grenade là parce que comme je viens d'avoir le jeu j'ai pas tout déverrouillé. Donc détonateur thermique, voilà, et je vais... Voilà, allez, je vais... Attendez, on va mettre quelque chose. On va mettre le détonateur là, donc ça c'est les emplacements, les cartes des étoiles dans lesquelles on peut mettre nos atouts spéciaux. On va acheter aussi le pistolet là. Hop, déverrouillé. Voilà, impeccable. Et on va le placer, hop, ici. Voilà, impeccable. Donc là, j'ai acheté une arme aussi hier. Donc, c'est celle-ci que j'ai acheté, je crois. Donc voilà, vous pouvez voir les dégâts, la cadence de tir, la portée de l'arme et la puissance de refroidissement. Car oui, les armes, vous allez voir, ne se recherchent pas, mais il faut attendre qu'elles refroidissent. Voilà, donc autrement, bon, là, on verra dans le jeu si on achète après ou pas. Et l'apparence de mon personnage, donc attendez, on va... est-ce qu'on peut pas changer Impérial, Stormtrooper, donc voilà, on a un Stormtrooper homme qu'on a. Donc on peut prendre un humain, moi je préfère les hommes. Et là, c'est un homme ça, on dirait une femme. Je sais pas, c'est bizarre. Donc déjà vous voyez, hein, la modélisation qui est juste magnifique. D'accord, ah voilà, un humain comme ça. On va prendre plutôt un gars, celui-là. Celui-là, ouais, il est vraiment stylé. Allez, on le sélectionne. Et donc, on est parti, les amis, après ce petit instant de présentation du jeu. On est parti. Donc, on a aussi les statistiques, les passes de saison et les paramètres. Donc, j'ai tout mis à fond pour jouer au jeu. Vous allez voir, tout est en ultra. C'est juste magnifique. Donc, nouveau défi quotidien, battre 10 véhicules. Vous voyez ici, les amis, tous les modes de jeu disponibles. Donc, il y en a vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a à peu près une douzaine, je pense. Donc ce qu'on va faire nous pour cette vidéo les amis, c'est qu'on va faire un seul mode, on va faire zone de largage. Donc j'aimerais bien faire une vidéo par mode, et si vous kiffez vraiment ce jeu, je pense que ça va être le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager sur tous vos réseaux sociaux, ça montrera que vous êtes présent et que vous kiffez ce genre de vidéo sur ce jeu, et j'en ferai plusieurs, donc rien que peut-être des vidéos où je gère vraiment sur des parties assez sympas. Ah, j'ai jamais fait cette map encore, donc je pense que je vais faire deux parties hein, pour la découverte. Je sais pas encore, on va voir, ça dépend combien de temps dure la partie. Et ouais, donc si vous aimez vraiment, j'en ferai plusieurs des vidéos. De toute façon, moi j'ai vraiment kiffé ce jeu pour l'instant. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu la découverte hein, du jeu, donc c'est ça qui est bien. Donc ok, bon, on va garder ça, on va réapparaître tout de suite. Go! Déjà, petite cinématique sympatoche. Donc, zone de largage, activez la capsule de sauvetage, défendez la capsule et le camp qui capture le plus de capsules gagne la partie. D'accord, donc la partie n'est pas commencée, c'est impeccable. Départ partenaire, ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Main, ouais bon bah, on commence. Et j'ai pas trop compris non plus comment on fait pour avoir... Oh là là, c'est magnifique. J'ai pas compris non plus comment avoir des véhicules, ça je sais pas trop. On va bien voir.
Oh là là, c'est super beau, c'est tout ce qu'il y a à dire dans ce jeu déjà, c'est que les graphismes sont vraiment au rendez-vous. C'est une grosse claque graphique, hein. Ouais, je pense qu'on va faire plusieurs deux parties parce que bon, après 15 minutes la partie, c'est un peu dommage. Ok, premier coup. Attention, faut qu'on attende que l'arme se refroidisse. Allez, hop, on en a eu deux. Cool. Attention, on a un reçu. Ah, dommage, j'y étais presque. Bon, ça va, ça commence bien. Alors, vous voyez, donc, il y a la vue comme ça, là, FPS, et on a aussi la vue TPS, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, on peut se voir, c'est vraiment cool, on peut se voir de ce côté-là, comme on veut. C'est vraiment bien fait. Là, par contre, voilà. Juste, je vais aller changer tout de suite au niveau des... Là, je me fais bloquer. Au niveau des attaques spéciales à des cartes, faut que je change les touches parce que j'aime pas du tout les touches, c'est mal fait, je trouve. Parce que, ouais, c'est mal foutu. Oh putain, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu du tout. Ok, il y en a un là. On va lancer une grenade. Oh putain, il y en avait un droit. Oh, c'est le même qui m'a tué tout à l'heure. Cool Bro TV. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'est, départ partenaire, je vous ai dit. On va changer, on va prendre le petit blaster là. Allez, hop, on va se remettre en vue FPS parce que c'est quand même la vue que je kiffe le plus. Même si la vue TPS est quand même bien aussi. Donc dans ce jeu, par contre, si vous visez ou si vous ne visez pas, la précision est la même. C'est-à-dire que vous pouvez... Le but, c'est... Enfin, l'astuce est de ne pas viser, de tirer comme ça au jugé. Parce que votre précision est la meilleure. Oh putain, il tente. Ok, bien joué. Donc faut peut-être qu'on aille capturer aussi le... J'adore la transition quand on réapparaît. Faut peut-être qu'on aille capturer la capsule. Là. Donc on ne peut pas utiliser de jetpack. Je crois que je l'ai pas là, mon jetpack. On va essayer l'arme spéciale là. Ok, je suis mort. Putain, il campe trop lui. Faut essayer... Je vais essayer de le déloger. On va garder notre arme. Voilà. C'est vraiment stylé. Même quand on court et tout, c'est la claque. Alors on va essayer de pas se perdre dans les bois. Ok, on va essayer de voir s'il y a toujours le mec là de tout à l'heure. Ok, il y a des potes là, on va contourner, on va voir si on peut pas en avoir sur le côté. C'est mangé. Super. Donc on n'a pas d'armes secondaires pour l'instant, hein, si j'ai bien compris. Donc peut-être que... Ouais non, je crois qu'il n'y a pas d'arme secondaire, hein. On est obligé d'avoir son arme principale. On va essayer de défendre. Oula, il y a un ennemi qui arrive. Ah non, c'est un allié, j'ai rien dit. Je découvre, hein, vous voyez bien les amis. Donc c'est super parce que la vidéo sera en 60 fps, donc je pense que vous allez kiffer. Oh merde, on se fait tirer sur... Ouh, il y en avait... Ah, c'est tout le temps le même qui tue, Cool Bro Civil. Ah, départ partenaire. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'on respawn sur un partenaire. Ok. Donc, je pense aussi que les amis, je vais faire... Là, je vais bientôt quitter cette partie, même si j'ai comment, même si on gagne ni rien, hein, c'est pas parce que je rage quitte, mais c'est pour vous montrer une autre map. Donc je vais quitter cette partie, et ensuite, après vous avoir montré une autre map, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une bataille avec des vaisseaux ou avec des héros, je sais pas encore. Putain, c'est magnifique. Ah, il y a quelqu'un là. Merde. Voilà. Ah merde, je me suis loupé. Vous avez vu, il y avait une petite, un espèce de petit mini-jeu qui permet de... Oh putain, ils étaient deux. Qui permet, le mini-jeu permet de refroidir vite fait son arme. Bon, alors on va quitter cette partie, les amis, et on va aller sur essayer de voir si on peut pas avoir une autre map. Donc je vous fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite. Donc c'est parti les amis, nous voici toujours en mode zone de largage, mais cette fois-ci on est sur la map dépôt rebelle. Donc j'ai jamais fait encore cette map là. Donc je sais pas si elle est... c'est l'une des plus belles, mais bon. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire cette partie-là. Enfin, on va voir si on a le temps de la finir. Sauf si elle vient de commencer. Et, allez, on va départ partenaire, on va départ sur lui. Ouais, c'est pas l'une des plus belles, parce qu'il n'y a pas des gros décors, mais voilà. Elle est assez sympa quand même. Oula, j'ai pris cher. Donc, ouais, on va faire cette partie-là, les amis, et puis après, bah, on va arrêter. Je vais pas avoir le temps de faire... Enfin, on va pas... Ça va être trop long, je pense, si je fais une vidéo. Genre, il est mort. Si je fais une vidéo... comment ça s'appelle avec les... Avec les... Si je
fais une vidéo, merde, avec j'en ferai une plus tard, une vidéo avec les vaisseaux. Voilà. Ah, à moins qu'on peut les utiliser. Non, non, je pensais, j'avais cru. Capturer, ok, on va essayer de capturer. Allez, un peu cas. On reste, tu vas de la capture. Oula, on se fait tirer dessus là, attention. Ok, je l'ai eu, mais je vais bientôt mourir. J'ai presque plus de vie. Ah, purée, je me suis trompé dans les touches. Je sais pas si c'est bien de jouer à la manette à ce jeu. Bon, en tout cas, moi, ça me convient très bien pour l'instant. Le clavier souris. Oh là, comment tu... Ouais, il a géré. Allez, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va prendre. Hop, voilà, cette arme-là. Donc, j'ai que deux armes à vous présenter hein, pour commencer, les amis, mais plus tard, vous verrez. Je vais faire un achat tout de suite. Plus tard, vous verrez que. Dans les deux vidéos, vous verrez que j'aurai plus de stuff. Oula, il y a quelqu'un là. Ah, il m'a eu. Bien joué. Ah, à chaque fois, je crois que c'est des héros, mais non, en fait. Allez, go. Oh, stylé le robot. En tout cas, c'est vraiment joli, d'accord. Ouais. Yes, j'ai eu. Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Regardez ça. C'est super bien. C'est bon, j'ai eu. Yes, j'ai eu en pleine tête. Non, je crois, ouais. C'est écrit joueur en tête, ça doit être ça. Allez. On lance une grenade, on sait jamais. Les explosions, c'est magnifique. Ouh, j'ai eu. Joli. J'ai utilisé mon truc spécial, là. Je savais pas ce que c'était. Bon, il n'y a pas de tir allié, vous voyez, heureusement, parce que... Parce qu'on le fond un peu entre Stormtrooper. Attends, j'ai lancé une grenade, mais je vais pas lancer là. C'est pas grave. Oh là là, c'est joli, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Nouvelle capsule, on approche. Où est-ce qu'elle est? Nous avons la position d'une nouvelle capsule. Je sais pas où elle est. Allez là, d'accord. L'alliance rebelle s'en emparer. Soutien. Ouh là là. Ouh là, je me fais tirer dessus. Je sais pas par qui, mais j'ai pris cher. Nous sécurisons le périmètre. C'est bon, je reprends un peu de vie. Allez. Ils sont souvent là. On va essayer d'aller prendre la capsule là-bas. C'est bon, on est en train de défendre. On gère pour l'instant. Ok, attendez, hop. Très beau vaisseau là. Oula, il y a plusieurs. Oh, j'ai vu la grenade. Putain, pourquoi je me suis accroupi? Je me suis trompé de touche. Ok. Est-ce qu'on peut pas changer? Tiens, on va voir. Ah, on peut prendre ces trucs à la... au partenaire. Super ça. Super. C'est génial ça. De pouvoir prendre des trucs du partenaire. Ouh là là. Sécurisons le périmètre autour de la capsule. Oh, putain. Putain, je me suis fait tuer. Du coup, est-ce que je garde les trucs du gars? Je sais pas. On va voir. Oui, bah c'est cool ça. D'accord. Alors, on va voir ce que c'est. Non, et. Préviens la surchauffe. D'accord. Génial. Ok, ça sert à ça, c'est cool. Et le troisième truc là, ça a l'air d'être un. Ok, fusil à temps de recharge. Les rebelles sécurisent la zone autour de la capsule. Il faut les arrêter. Je sais pas combien de temps on peut utiliser. Eh, pourquoi il a pas rechargé? Je tirais, mais ça marchait pas. Allez, hop, commencer. On va pouvoir la reprendre après, je pense. Bon, on est en train de perdre là, par contre. C'est un peu dommage. On va essayer de gérer. Yes. Ok, j'ai un bonus de charge. Oh putain, ils sont beaucoup. Oh là là, j'ai voulu me cacher, j'ai pas réussi. J'étais tout seul en même temps. Allez, hop, on reprend notre truc. J'adore la transition, comme je disais tout à l'heure, c'est très stylé. Quand on réapparaît, il n'y a pas beaucoup de temps de respawn, c'est cool. C'est vraiment bien fait. Enfin, bien optimisé, on va dire. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Enfin, ils sont plusieurs. Vas-y, on va essayer de prendre le truc là de tout à l'heure. J'ai pas trop compris ce que c'était ça.
J'en ai touché un. D'accord, on peut tirer qu'une balle avec. Je pensais que ça one-shotait, mais apparemment non. Ah, bien joué. Il avait... Je sais pas quelle arme. Tiens, on va... j'avais dit que j'allais acheter quelque chose. Hop, on va voir. Comment on fait? Est-ce qu'on peut pas? Ah non, on peut peut-être pas en temps réel. Je pensais, mais... Non, on peut pas. Ok, on va reprendre l'arme là. Changer un peu. Yes, je voulais lancer la grenade. Je voulais faire un kill à la grenade, les amis. J'ai réussi, je suis content. Allez, hop, on réapparaît. Oh là là. Putain, j'ai pas compris. Ça nous spawn kill à moitié. Allez. On va se remettre à la troisième personne. Voilà. Notre émetteur vient de révéler l'emplacement d'une nouvelle capsule. Putain, c'est un pote, ça, je suis con. Oh, mais... Putain, j'avais pas vu que c'était une grenade, merde, quel con. Ouais, non, c'est bien ça. Nous allons laisser l'ennemi s'emparer de cette capsule de sauvetage. On va reprendre le fusil là. Il faut repousser les rebelles immédiatement. Putain, et on perd 4 ans quand même, donc je pense qu'on va. Ouf. Il me restait peu de vie. Ouh, joli ça. Ok, 2. Ils vont arriver encore, je pense. Yes, bonus de recharge. De charge plutôt. Putain, je gère là. J'ai compris le truc. C'est vrai que quand on est en vue troisième personne, on voit, on a un plus grand champ de vision. C'est un petit peu mieux de ce côté-là. Trop bien fait. J'adore, j'adore. Bon, vraiment, je suis épaté par les graphismes. Ça me tire dessus. Ah, défaite. Bon bah voilà les amis, vous avez vu un peu de gameplay de ce Star Wars Battlefront, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait du 11-11, bon ça va, ratio positif. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, passez une bonne soirée, salut tout le monde et à bientôt.